Martino. Tap, 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 tap. Toi, là, là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino. Richard, bonjour. Salut, alors. Étais-tu au golf ce week-end avec les libéraux? Écoute, c'était à Longueuil. 600 personnes qui se sont réunies, qui ont profité du beau temps pour célébrer les 20 ans de la victoire de Jean Charest en 2003. Et là, tu as les photos dans le journal aujourd'hui. Marc Ouellet qui était là, il s'est fait sacrer dehors du caucus du Parti libéral. Il y avait Trépanier, tout le monde était là. Madame Nichols était là aussi. Madame Nichols était là. Et puis dans le caucus actuel. Madame, ben, c'est ça que tu disais, Madame Trépanier, là, qu'on avait vu. Et Madame Post-it dans la commission sur les juges. C'était bastarache, ça, non, cette commission? Oui, exactement. Alors, et c'est très drôle, tu sais, parce qu'ils étaient nostalgiques de la victoire dans Jean Charest. Et c'est comme s'ils se disaient, oui, il y avait toutes sortes d'allégations de financement irrégulier. renvoi d'ascenseur, contrat attribué à des amis, etc. Jean Charest qui a fait l'objet d'une enquête policière, tout ça. Mais au moins, on savait où on s'en allait. On gagnait. On savait qui on était, puis on gagnait. Mais... Tandis qu'aujourd'hui, ces allégations-là ont disparu. Soudainement, le parti est propre, sauf qu'il est perdu. Fait qu'entre les deux, un parti propre et perdu, ou un parti qui sent mauvais, mais qui savait qui était, on préférait le premier. T'sais, on préférait à l'époque de Jean Charest. C'est assez rigolo. Et les photos, tu me disais tantôt... Ben, c'est parce que je regardais ça ce matin, tu sais, puis... T'as pas le choix d'avoir l'impression qu'on aurait dit un mariage, tu sais, un mariage de Hells, de la mafia. Puis là, je sais que je le dis, puis là, les libéraux, mais c'est juste l'image que ça projette. C'est comme si on prenait des photos de monde qui marche, les gens s'arrêtaient pas devant les caméras. Tu sais, Jean Charest n'est pas passé devant les caméras, il était caché, il était-tu là? Êtes-vous fier ou vous êtes pas fier? Là, on dit, Nathalie Normando n'a pas été vue. On ne dit pas, elle était pas là. Je sais pas si elle était là ou pas, mais elle n'a pas été vue. Mais ça me fait vraiment penser au début du Parrain. Puis là, je fais pas une association entre la mafia et les libéraux. Les gens qui vont au mariage de la fille de Vito Corleone qui se font photographier par les journalistes et tout ça. Mais tu sais, il n'y a pas de sourire là-dedans. Ils n'ont pas l'air heureux. Il n'y a pas de tapis rouge. Mais c'est assez bizarre que Marc Ouellet était là alors qu'il s'est fait un peu... C'est la famille. Vous voyez, mais c'est la famille. Avec un grand F. Avec un grand L. La famille libérale. Richard. Bonne semaine. Merci. J'espère qu'il a profité du beau week-end. Faisais-tu beau ce week-end? C'est incroyable. Super beau. Mais tu sais, c'est correct. Il annonce 12 ce jeudi. Donc, ça va être correct. Ouais, c'est le printemps pour vrai. Hey, merci à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Florence, Cécile et Jean-François derrière la console. Et merci à vous. À demain.